toujours Jérémy Mancet, président de l'association Aucun Redeem et créateur du concept Caraïbe Tab qui mêle le tap dance, donc les claquettes, avec les rythmiques afro-caribéennes ou antillaises pour être beaucoup plus précis, afro et antillaises. Et aujourd'hui, nous allons parler du zouk et de la culture des Antilles françaises, on va dire ça comme ça. Nous avons un intervenant aujourd'hui, et pas des moindres, et je vais le laisser se présenter. Ben, salut tout le monde, je m'appelle Jean-Claude Decaux, alias Okostyle, et je suis danseur, chorégraphe, professeur de danse, spécialisé plus dans les danses latino-caribéennes, mais je touche à tout en fait, les champs d'activité de la danse, en passant par le jazz, le contemporain, la samba, les danses de salon, un petit peu le hip-hop, le flamenco, les claquettes, je touche à beaucoup de choses. Donc un univers assez, on va dire, large pour essayer d'être le plus éclectique possible. Ok, très bien. Alors, pour faire des petites précisions sur ton parcours, tu te situes où, toi, en ce moment ? Je suis actuellement en Île-de-France, à Paris, et donc en France, et voilà. Ouais, alors, ce monsieur fait le modeste, hein ? On ne va pas se mentir, ce monsieur fait le modeste. Si vous êtes dans le milieu des danses latines, et surtout, j'ai envie de dire, allez, depuis quoi il y a une dizaine d'années à vue de nez, une grosse école du nom de Salsabor. Et lorsque vous étiez sur Paris, vous entendiez parler de Salsabor et forcément vous entendiez parler de Jean-Claude Opo. Vous entendiez parler de ce nom, c'est quand même un monsieur qui a fait beaucoup et qui représente pas mal les danses latines. Pour la France, donc voilà, hein, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Bien, donc on va parler aujourd'hui du zouk. Intéressons-nous justement de plus près au zouk, dont le rythme vient du carnaval antillais. Il n'est pas resté qu'une époque ou un moment musical, il est toujours là et il a inspiré des musiciens et des chanteurs en France et dans le monde entier. J'ai donné à Marcus l'album d'un groupe qui s'appelle Kassou. Vous en avez déjà entendu parler ? Cassol, comment t'écris ça? Il me dit j'en sais rien. Juste mets la main dessus et écoute, parce que c'est mortel. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé Cassav. Et c'était incroyable. Et je lui ai dit, en fait Miles, c'est Cassav, avec un V à la fin. It comes out. Les choses sont différentes maintenant pour moi. Je pense zouk. Le zouk faisait la pluie et le beau temps. Le zouk avait vraiment mis le compas dans un état vraiment déplorable. Alors l'image qu'on a en métropole est lointaine, c'est vrai, des Antilles, souvent quand on n'y est pas allé, on dit la compagnie créole c'est la musique des Antilles. Et quelle est votre opinion là-dessus? C'est-à-dire que la compagnie créole, bon, c'est un peu une image de la musique traditionnelle antillaise, bon, qui est un peu commercialisée, quoi. Avec le club du Zouk, Qatar. Et le groupe qui va arriver là maintenant, qui chante, dit que finalement le Zouk c'est peut-être la solution enfin espérée pour le trou béant de la sécurité sociale, car il paraît que le Zouk c'est une potion magique. Même si nous t'as souffert, nous panissons. En créole, je connais Tiponche, Sieste et Pôle emploi. Pas des problèmes, sac à mâcher. Le zouk a une destination que ma musique n'a pas tout à fait, parce que c'est une musique de conscience. Mais si on regarde bien les premiers maîtres du zouk, Kassav, les paroles des premiers Kassav sont toujours très 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 sérieuses. Je dirais que le zouk, c'est l'amour du pays. C'est-à-dire que même si nous sommes à 8000 km, ben lorsqu'il y a des grèves au pays, il y a eu 2009, on souffre avec le pays, même si on a eu micro. Quand vous allez devoir épeler des mots en dansant le zouk, mais un zouk effréné. Voilà, on a notre ami qui est avec nous, hein, le zoukeur. Ce soir, je m'abandonne à la nuit.
J-I-R-A-C. Non. Zouké s'est trompé. Oui. Non, vraiment, je suis enfin bien réfléchi, genre Zouké, bien sûr. Bon, c'est pas propre. Je suis prêt à faire de la délation, moi, de ça. Je vois une copine ou un. Non. Zouké s'est trompé. Le souk, c'est une musique à part entière. Et pour moi, on ne peut pas parler uniquement que de plage, de cocotiers, de soleil. Le petit plus du zouk, c'est qu'il faut envoyer du bassin. Il faut que le bassin aille de l'avant. Faut nous boire faire ensemble. Allez, faut arrêter la musique danser. Quand le bassin revient vers l'avant, tu donnes un petit coup devant. Le zouk pour moi, c'est un partage. C'est une fille, un gars, peu importe de quelle couleur t'es, de quelle origine tu viens, tu zouk, tu passes un bon moment. Et voilà, même si tu sais pas danser, tu peux zouker. Où sont passées Radio Balizi, Radio As, les radios qui diffusaient la musique? Elles sont où aujourd'hui? Ce sont des ordinateurs qui diffusent de la musique qui vient d'ailleurs. Il n'y a même pas un animateur. Il y a une médiocrité de pensée des animateurs de radio. Ils n'existent même pas. La majeure partie des radios guadeloupéennes favorise musique qui vient d'ailleurs, qui est tout le temps la même chose. On n'entend pas quand il vient des Antilles. Mais le zouk peut être fait par d'autres artistes et il passera, comme le dancehall. Par exemple, pour moi, ce que Aya Nakamura a fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'ailleurs, c'est du zouk. On a pris quelques éléments et on les a utilisés sur un morceau de Miles qui s'appelle Amandla. Ça, c'était l'influence Kassab. On a été jetés par toutes les maisons de disques, par toutes les radios. On voulait pas entendre parler de nous. Topic FM, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, c'est Arthur, je vous appelle voir quelques conseils pour faire monter les audiences de Radio Jack. Voici la programmation musicale qui vous attend. Tout d'abord, Francky Vincent avec Tu veux mon zizi. Juste après, Sylvain Saint-Amour avec Mon zizi a pris l'avion tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Nettoyer, balayer, astiquer. Moi, j'ai surtout astiqué. Et il n'y a pas que la case qui était toujours pimpant. Ce que je fais est très très peu représenté. Les programmations métropolitaines sont très dance, électro, disco, en tout cas pour les radios populaires. Amiralty et Diams, en plus le morceau est en français, donc c'est vrai que tout de suite, pour le programmateur, pour lui c'est bon, ça rentre dans son truc quoi. Quand de la housse a parlé, dis-moi Julien, qu'est-ce que ça t'a fait? J'avais l'impression de voler, ou de partir dans ma fusée. C'est vrai qu'on a cette opportunité de chanter en créole et en français, et je pense que si on veut faire comprendre et partager plus d'émotions, et toucher plus de gens dans le marché francophone, le français reste la chose la plus évidente. Admiralty nous dit, Césaria Evora chante dans sa langue, personne ne s'en plaint. Il ne faut pas qu'on me raconte que tous les Français comprennent le portugais. Le zouk d'aujourd'hui, en masse, je vais dire que c'est un peu moins bon que le zouk rétro. Parce que dans le zouk rétro, il y avait beaucoup plus de mélodies, beaucoup plus de flow, beaucoup plus de paroles, beaucoup plus d'auteurs-compositeurs qui donnaient de la pêche. Je sais pas si on prend le rock des années 60 et celui d'aujourd'hui, il y a une différence. Je pense que tout style de musique est obligé de subir des transformations. Je ne dirais pas transformation, je parlerais plus d'évolution. Je pense que comme toute chose, la musique évolue, je parle de la musique à l'état brut. Et pour ma part, je travaille avec Jacob Desvarieux qui, selon moi, au-delà du groupe Kassav, est quand même l'un des créateurs du zouk. Nous, on parle français, on parle créole, mais on a beaucoup d'influence de nos voisins les plus proches parlent anglais. Et donc voilà, on a écouté beaucoup de musique jamaïcaine, le reggae, etc. Et puis on est sous l'influence du monde. Les papis du zouk n'ont pas fini de faire école. Où qu'ils passent. Et le zouk a encore de beaux jours devant lui. Le contexte du lieu. Alors, comme on a reçu Mamou Orsiné, que je salue si elle regarde pour le Bélé, et qu'on va recevoir
Voilà, Ijiki, pour le Gonka, pour la Guadeloupe, je vais te demander non pas de parler des îles en elles-mêmes, mais est-ce que tu peux nous parler du milieu de la musique et de la danse et de l'histoire de cette musique et danse antillaise, caribéenne, en France? Comment ça se passe? Comment c'est arrivé? L'impact que ça a eu sur la culture? Alors, le bassin caribéen est très 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 riche en termes de musique. Quand on regarde ce qui se faisait déjà en termes de composition musicale, on avait effectivement sur la Martinique tout ce qui était, comme tu as dit, le belay. On a en Guadeloupe, le quadri, on a la biguine. Il y a effectivement la mazurka qui touche la Martinique. On va avoir le gros cas en Guadeloupe. Maintenant, étant baigné et influencé par toutes les îles également qui sont autour avec Trinidad, donc il y a le soca, il y a le soca qui a beaucoup participé, on va dire, à l'élaboration en fait également de certains rythmes qu'on a également chez nous. Étant dans une phase, on est aussi à côté de Cuba, donc la salsa, on est à côté de la République dominicaine, donc le merengue, la bachata. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui se danse sur la Terre aujourd'hui provient, on va dire, soit du continent africain, soit pour beaucoup des Antilles. Et beaucoup de gens n'ont pas, on va dire, la conscience de savoir que toutes ces richesses-là viennent de toutes petites îles ou de petits endroits en Afrique qui ont fait que ça a permis de faire pas mal de choses en fait émerger. Donc après, d'histoire, c'est vrai que la musique a toujours permis de pouvoir s'évader, donc à transmettre un sentiment, mais surtout essayer de pouvoir chercher à faire la population, on va dire, s'évader, parce que forcément, ce ne sont pas forcément des îles où il y a forcément de très grandes richesses en termes qu'on peut regarder, par exemple, le pétrole, etc. On n'est pas à ce niveau-là maintenant. On a une richesse, par contre, culturelle, culinaire, qui est également mondialement connue. On a une richesse, du coup, au niveau du coup, de la musique. Et après, maintenant, c'est tout un état d'esprit également qu'il y avait à l'époque pour pouvoir essayer d'oublier les problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même ancien pays colonisé. Après, ancien, après, ça dépend comment est-ce qu'on se voit. On ne va pas faire de la politique ce soir. Mais bon. mais du coup, quand on regarde justement, si on va jusqu'au temps, par exemple, de la colonisation, où justement les esclaves avaient besoin de pouvoir en fait évacuer après une dure journée de labeur dans les champs de canne, ils avaient besoin de pouvoir s'évacuer, etc. D'où effectivement l'apparition du nègre marron, qui avec les rythmes du gros cas ont permis de pouvoir essayer passer des nuits pour pouvoir adoucir ces nuits et arriver à réattaquer le lendemain. Donc le gros cas a fait sa place, a permis de faire une émulsion, effectivement, au fur et à mesure. Et comme j'avais parlé des différents rythmes au fur et à mesure, on est arrivé aux alentours des années 80, effectivement, sur l'arrivée, en fait, de ce que les gens aujourd'hui appellent le zouk. Mais avant, du coup, le zouk, il y avait, on va dire, pas mal de balles, comme on appelle les balles grand moon, qui permettaient de pouvoir rassembler les gens pour pouvoir faire la fête. Et justement, dans ces grands bals-là, il y avait justement tous les styles de musique que j'ai évoqués auparavant. Et ça permettait surtout aux gens de se rencontrer, parce que il y a une très grande pudeur, en tout cas à cette époque-là, qui existait. Donc, avec toute la notoriété de tout un chacun, la gestion de son nom, on voulait toujours rester intègre.
Et je ne pouvais pas en fait aller démarcher en tant que garçon une jeune femme, fille de monsieur deux, etc. Non, non, il y avait tout un protocole qu'il fallait respecter. Et ben, du coup, pour pouvoir avoir des rapprochements, on va dire des gens également, qui puissent s'amuser, qui puissent arriver à avoir justement une vie sociale, ben, du coup, ben, ces gens-là, ben, ils ont en fait créé ben, des balles Grand Moon pour pouvoir rassembler les gens, toutes les générations, donc pour venir faire la fête sur de la musique et justement... Ben, qui dit musique dit on va danser et avait du coup des dérogations pour pouvoir arriver à avoir des rapprochements de corps sans être marié. Donc maintenant qu'on était marié, on pouvait danser librement. Maintenant qu'on n'était pas, on va dire, marié ou en tout cas clairement fiancé, ben, il y avait également tout un procédé pour aller demander à danser, etc. Et ça ne faisait pas, on va dire, tâche de pouvoir aller, en fait, pouvoir danser. Maintenant, il y avait une manière de pouvoir danser parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Il y a toute une partie, encore une fois, de la notion de rester intègre avec un certain honneur et respect vis-à-vis du regard de comment est-ce qu'on va, en fait, évoluer, comment est-ce qu'on va danser devant les gens. Et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi pour que sa réputation soit, on va dire, salie. Donc... C'est hyper important. C'est pour ça que donc du coup les balles Grand Moon au fur et à mesure, donc dans il y a justement eu au fur et à mesure pas mal, il y avait pas de radio à l'époque, il y avait pas de CD, tout se jouait en live avec du coup des orchestres. Et effectivement aux Antilles on avait bah, du coup à côté d'Haïti, à côté de nous on a Haïti du coup qui a créé, on va dire, le compas sur les ondes radio qu'il y avait à l'époque. Ben, on entendait essentiellement la musique d'Haïti, la musique de Cuba. Et bon, ben, du coup, ben, les Antillais, on va dire, ont voulu essayer de reprendre cette musique d'Haïti pour se l'approprier. Et du coup, ils ont, on va dire, créé leur propre groupe pour essayer de jouer, on va dire, la musique à leur manière. Et ça a créé du coup le style musical cadence. Et ça, c'est ce qui a bercé, on va dire, toute ben, la jeunesse justement ben, des parents dans ce cas-là, dans, donc des années 60-70, avec des très grands groupes qui faisaient, on va dire, des salles combles, les Vikings, les Gramax, des gens des vrais musiciens qui ont permis de créer des phases, des sons emblématiques qui, franchement, ont fait danser des générations et jusqu'encore aujourd'hui, quand on passe ces sons-là, même si tu es, on va dire, un petit de 5 ans, 4 ans, même encore aujourd'hui, ces enfants, ils connaissent du coup ces grands classiques.
déception. Moins vrai, un bon voyage en avion. Moins vrai, cinéma, moins manger, moins bien vrai, moins dormi, moins levé. Avant c'était français, moins t'es qu'à parler. Mais les moins arrivé à Paris. Moins dormi dehors, moins dormi dehors, moins dormi en dalo. Moins dormi dehors, moins dormi en tout à métro. Moun ka plante kan, moun ka koupe kan, moun ka mare kan, moun ka chaye kan, moun ka plante kan, moun ka koupe kan, moun ka mare kan, moun ka chaye kan. Nou tout la epizot, nou tout ka konkon zot, nou ka sipote zot, e nou tout ka ede zot. Nous tout la épisode, nous tout ka comprenons les autres, nous ka si faut des autres, et nous tout ka aider les autres. Ah ah! Dégagez, pointez, fourrez, fourrez, aïe, fourrez, fourrez, fourrez. Dégagez, pointez, fourrez, fourrez. Oh maman, aïe, fourrez, fourrez. Dégagez, pointez, fourrez, fourrez. Aïe, maman, tout tout est belle. Dégagez, pointez, fourrez, fourrez. Et donc du coup, ce sont également ben, des gens qui ont du coup beaucoup par la suite aussi voyagé et ont eu justement pas mal de rencontres avec des très grands hommes justement qui ont permis d'avoir des collaborations avec des gens du milieu de ben, du blues, du milieu du jazz, etc. Et au fur et à mesure, ben, là encore, on passe encore une fois un cap par rapport aux différentes envies de pouvoir essayer de chercher une identité, parce que au final, en Guadeloupe, on écoutait les musiques des autres, mais du coup, les Antillais n'avaient pas leur propre musique. Et du coup, il y a eu effectivement dans les années 1979, il y a eu en fait un petit monsieur, enfin on va pas dire un petit, un grand monsieur qui a décidé de créer un style musical qu'il voulait en fait qui représente à 100% les Antillais. Donc là, quand on parle des Antilles, c'est surtout la Guadeloupe, la Martinique à l'époque quand il a pensé, mais qui permet de pouvoir les fédérer. Les fédérer et qu'on puisse dire ça c'est à nous, ça c'est, ça vient pas de, de Cuba, ça vient pas de, de Puerto Rico, ça vient pas on va dire d'une des îles d'à côté, on entend leur musique mais maintenant on veut créer la nôtre. Et en fait Haïti en fait a tellement en fait porté, ils ont dit bon ben écoutez on va vouloir essayer de faire notre style musical. Et donc du coup ben, ce monsieur dans ce cas là a décidé de créer ce qu'aujourd'hui on appelle le zouk. Ok, alors tu arrives sur le point numéro 2, parfait. On a la genèse, donc on situe, pour ceux qui n'ont pas eu une description de la Martinique, retournez voir l'émission sur le Bel-Air, très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas eu sur la Guadeloupe, c'est normal, c'est jeudi. Du coup, le thème c'est Zouk. Alors, je vais te demander de réussir à nous situer rapidement ou non, mais déjà, le mot zouk, d'où il vient, pourquoi on a fini par appeler ça zouk, et qu'est-ce que c'est cette musique, qu'est-ce qu'elle est, comment on l'a définie, qu'est-ce qui fait que quand tu entends, tu dis, ah, ça c'est zouk,
savais pas. Alors, le mot zouk a existé bien avant ce qu'on appelle zouk en termes de musique et de danse. Le mot zouk était dans le mot zouk était dans le langage commun des Antillais. Encore une fois, il faut remettre dans le contexte, il n'y avait pas encore une fois de discothèque, il n'y avait pas de ce truc-là pour pouvoir se rassembler. Il y avait du coup des balles, il y avait du coup des concerts en plein air, etc. Et à chaque fois que les gens en fait allaient faire la fête, ils disent « Bon, hé, mon kaizuke !» Pour dire il y a une festivité là, il y a une fête qui est en fait dans le quartier de la ville d'à côté là, je vais au zouk. Et là en fait, le mot zouk au final, ça veut dire juste faire la fête. Donc au fur et à mesure, dans le langage commun des gens pour dire bon, hey, je vais aller zouker, je vais aller au zouk, etc. Donc les gens en fait dans le langage, le mot zouk voulait dire aller faire la fête. Et c'était essentiellement une fête. Et en plus, était gratuite. Donc on était loin de tout ce qui est business plan marketing des boîtes de nuit où il faut payer l'entrée gratuit pour les filles le plus souvent, mais bon, pas grave. Pourquoi ben, forcément là regarde, on va dire de la chair fraîche comme on dit, ça ramène, on va dire, une certaine testostérone donc en puissance. Et donc du coup, quand on disait aller zouker, au fur et à mesure, il y a eu des variantes. On disait ouais, je vais faire un temps pour dire je vais faire une fête. À la place du mot zouk, on a commencé à dire temps, je vais faire. Et donc du coup, c'était à la base, à l'époque, fille patricie, garçon boisson. Et en fait, ton droit d'accès pour rentrer à la soirée, c'était une participation pour pouvoir faire en sorte que tu puisses en fait avoir de quoi boire pour pouvoir reprendre des forces et avoir un petit peu de manger pour prendre également des forces, parce que pendant toute la soirée, tu vas, on va dire, éclater la piste de danse. Tu vas vouloir t'amuser avec tout le monde et du coup, tu vas zouker. On va zouker dans le sens, on va faire la fête, on va éclater la piste de danse et on va s'amuser. Yes! Ok, donc là, c'est le mot. Bien. Le mot, on l'a. La musique. Avant de rentrer dans le sujet avec toi sur la danse. Donc, au fur et à mesure, ben forcément que la musique, justement, qui était dans les grands bals, était jouée. Donc, déjà, les gens disaient que la musique qui était jouée, du coup, dans les zouks, du coup, donc dans les fêtes, ben, du coup, la musique en question, c'était déjà du zouk. Mais du coup, ben, ce n'était pas le zouk tel qu'on le connaissait déjà. Ils utilisaient ce terme-là pour dire la musique qui est jouée dans la fête. Ben, du coup, c'est... Donc, du coup, ça pouvait être à l'époque, encore une fois, avec des orchestres. Donc du coup, on a dit que c'était à la base, non pas le zouk tel qu'on connaît, mais c'était du cadence, etc. Mais la musique qui était déjà jouée, du coup, on disait que c'était déjà du zouk. Quand effectivement Monsieur Georges Pierre-Édouard Décimus et Georges Décimus ont décidé en fait de créer effectivement le concept zouk avec du coup la formation du groupe du coup Kassav, les gens, en fait, au fur et à mesure, par rapport aux différentes musiques qui étaient jouées, effectivement, à cette époque-là, on dit, mais vu que ça, c'est censé être notre musique, c'est notre rythme à nous, bah, du coup, on va lui donner le nom qu'on connaît déjà, c'est du zouk, en fait, puisque ça, c'est censé être à nous. Donc, du coup, comme ça, c'est à nous, dans ce cas-là, on va appeler ça, du coup, du zouk. Donc, Kassav n'a pas créé le zouk. Par contre, Kassav, le groupe Kassav, il a par contre promotionné au niveau national, international, la musique zouk. Mais le zouk n'a pas été inventé par Kassav. Il y avait déjà, des groupes de musique qui jouaient déjà, on va dire, des rythmes qui s'approchaient déjà de ça. Maintenant, les fondateurs de Kassav ont permis de, par contre, organiser
une certaine connaissance des musiques, parce que c'était des gens qui jouaient déjà tous les deux dans des groupes du coup de cadence, et ils ont donné des valeurs ajoutées avec, par exemple, en rajoutant, on va dire, Jacob de Varieux, qui lui, en fait, avait une formation classique. Il venait, on va dire, avec sa guitare électrique, donc du coup, qui faisait du rock'n'roll. Donc, yes, arriver à rajouter, on va dire, cette notion rock'n'roll dans les rythmes que nous, on avait effectivement dans les rythmes de base. Et donc, du coup, avec l'alliance des rythmes, on va dire, de chez nous, plus l'apport d'instruments qu'on n'avait pas, on n'avait pas la guitare électrique et on n'avait pas cette manière non plus de jouer, ben donc du coup, ça a permis de pouvoir créer une couleur, de créer des rythmes avec une couleur et qui ont donné, on va dire, la saveur du zouk qu'on connaît aujourd'hui. Tout commence en 1979. Notre premier album, Love and Cadence, sort. Bon, à cette époque-là, on écoute encore les disques vinyle, quoi. Pierre-Édouard Décimus a une idée un peu folle de créer un style purement antillais, qui s'enrichit de tout ce que les Antillais écoutent. On écoute toutes sortes de musiques de partout, du funk, de la soul, du jazz, du reggae. Et puis en même temps, on est nous-mêmes. Donc on a notre musique du carnaval, le Massa Saint-Jean notamment, pour les gens de Pointe-à-Pitre. Et puis on a la cadence rampa, le compas, la cadence, le tumbélé, les musiques de tambour, la musique des bals grand moon, la vieille biguine, la vieille mazurka, le quadrille. On a toutes ces musiques-là. Le zouk fait son apparition quand Jean-Claude Némereau, Georges Décimus et moi, on se retrouve dans un studio. Et puis à un moment donné, il y a une alchimie, on dit « là, ça sent bon ». Le mot zouk existait en créole avant que Cassave ne le promotionne, mais il n'existait pas depuis très longtemps. C'est-à-dire que dans les années 50, il signifiait surprise partie, ce qu'on appelait en français une surprise partie. Et Cassave a embelli le mot, l'a enrichi. Avec le zouk, on essayait de faire danser les gens. Alors avec la bande à Jocelyne Béroir, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Némereau, Patrick Saint-Éloi, Georges Décimus et moi, ben, on a essayé de soigner les textes, de faire ça en créole déjà, qu'on sache d'où on vient. Donc dans le créole, il fallait trouver des mots, il fallait trouver des formules, il fallait trouver comment agencer tout ça et pour que ça sonne bien. Et puis dans les textes, il fallait qu'on parle de la vie des gens, de, je sais pas moi, de la place des femmes dans la société, de l'écologie, de en fait, tous les trucs qui intéressaient les Antillais. Avec le groupe, on commence à s'exporter. C'était le but du jeu d'ailleurs, envahir le monde. En 1985, commence notre histoire d'amour avec le continent africain. On joue en Côte d'Ivoire, on joue au Sénégal, enfin, tous les pays. Ça, on le doit à une personne, Gilles Aubringer, qui avait une émission qui s'appelle Canal Tropical et qui passait sur RFI. Bon, les cassettes pirates, on fait le reste. Hein. En 40 ans, Cassav a joué dans 72 capitales. On a signé 16 albums sous le nom de Cassav. Plus tous les albums en solo, les albums live. On a fait des disques d'or, on a fait des disques de platine. Et Jacob, en 2009, pour les 30 ans du groupe, Cassav était le premier groupe français à remplir le Stade de France. Et l'histoire est loin d'être finie. Ok, alors attention, attention. La petite première parenthèse, parce que je ne l'ai pas expliqué à ceux qui découvrent. Je n'ai pas encore la technique qui me permet de mettre le bruitage instantanément, donc ça ne peut pas faire. L'intervenant dit quelque chose de très très fort. Voilà, et donc, il a bien dit une phrase que j'ai entendue un grand passionné de musique me dire un jour, j'ai fait « Ah tiens, le groupe Cassav n'a pas inventé le zouk puisqu'il existait déjà ce terme et on donnait déjà ce nom à cette musique, mais ils ont créé une orchestration, des arrangements qui ont donné la couleur qu'on connaît aujourd'hui à cette musique. Sans eux, le zouk ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
mais le Zouk aurait été. C'est un très, très grand groupe qui a permis au Zouk d'être stylé. D'accord ? Bien. Alors, maintenant, je veux rentrer avec toi dans un détail qui est très important, et c'est surtout pour ça que je t'ai invité. C'est ce détail-là. Le détail que vous voyez, mesdames et messieurs, c'est ce monsieur qui a écrit, posé, alors tu vas dire le terme exact, mais la codification du Zouk. Alors, avant qu'on rentre dans le détail, j'ai une question en tant que Jérémy Mancé, Bustanuts de Caraïbes Tap. Une question de la part de Caraïbes Tap. Bon, j'ai ouvert ce bouquin. J'ai lu, première page, un petit texte, j'ai dit ok, j'ai tourné la page pour avoir la fin du texte, et là, j'ai vu un nom. Alors j'ai une question en tant que Caraïbes Tap. Qu'est-ce que ça fait de se faire préfacer son livre par Jocelyne Berroir ? Excusez-moi monsieur. Alors, monsieur alors faut savoir... Tu imagines bien que j'ai été jaloux. Il faut juste savoir que il y a un certain nombre d'années que Kassav, ayant explosé déjà, fait une carrière et qui continue encore, ben, ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au patrimoine, sachant que là, ben, il y a la réalité de la transmission. Comment est-ce que je fais pour transmettre ? Parce que il y en a qui ont commencé à partir, ils ont commencé à se poser forcément la question à partir du moment du premier décès de l'ancien membre du groupe Patrick Saint-Éloi et de voir que ben, forcément chacun au fur et à mesure prend de l'âge et les tournées mondiales aujourd'hui ils ont très clairement dit que maintenant on ne veut plus en faire de tournées mondiales, c'est trop fatigant, maintenant on veut faire sinon des concerts, on va voir sur quelle forme on va faire les choses, mais il faut commencer à transmettre. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir transmettre? La musique. Et du coup, après, ils se sont rendus compte, qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau, dans ce cas-là, des Antilles? Qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau de la France? Qu'est-ce qu'on pense de nous au niveau, on va dire, international? Vu que, justement, ils ont fait tous les pays, enfin, ils ont été donnés des concerts dans tous les continents de la planète, sur tous les continents de la planète. Donc, au fur et à mesure, ils se sont dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on pense maintenant de la musique, de la danse, etc. Et, au niveau de la danse, ils ont eu un hic, ils ont fait au final, on n'a pas vraiment réellement de visuel réellement en danse. Et ils ont été épluchés YouTube, Dailymotion, tous les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui sortait. Au bout d'un moment, ils étaient assez déçus de voir qu'il n'y a qu'une partie qui ressort et qui fait que d'ailleurs on est connu que d'ailleurs que pour ça. C'est sur le Zouk carreau, le Zouk béton, Zouk noir. On est connu justement pour ne pas avoir de déplacement et d'avoir un frottis frotta. Et là, ils ont fait oui, mais est-ce que ça représente réellement l'intégralité? Ben non, ça ne représente pas. Or que maintenant, les gens ne jurent que par les réseaux sociaux et que par les vidéos qui restent. Et il y a une femme extraordinaire. S'appelle Karine, qui est l'attachée de presse de Kassav, qui leur a dit « Bon, mais j'ai une vidéo à vous montrer. » Et en fait, c'était une vidéo d'un stage que j'avais fait, de Zouk. Et elle dit « Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ce gars-là » Et ils ont fait « Ah ouais, mais c'est par rapport à tout ce qu'on a vu. Ah oui, ah, mais là, il y a du mouvement. Il y a des phases. » Après, elle fait « Ah, il a vraiment son style aussi à lui. » Parce que ça, mon pote, comme quoi, après... Ils ont fait mon projet, vraiment qu'à danser con, ça a un an plus. Après, dans la traduction, ils n'ont pas forcément vu des gens faire des gens danser forcément comme moi sur certaines phases. Ils font oui, mais ça devient un petit peu plus intéressant. À partir de là, on a commencé à collaborer sur certains projets. De cette collaboration, on a tourné quelques clips, etc. Fait certaines interventions au plateau télé pour pouvoir essayer de montrer. Comment, on va dire, le Zouk pourrait se danser? Comment le Zouk... Après, il n'y a pas une manière de danser le Zouk, etc. Donc, à partir de là, quand j'ai en fait décidé d'écrire réellement le livre, c'est une amie qui m'a dit « Mais Jean-Claude, t'as pas de préface ?» Et là, je fais « Ouais, non. » Et elle m'a dit « Mais pourquoi tu demandes pas dans ce cas-là
quelqu'un de connu, je fais quelqu'un de connu pour écrire, et j'ai réfléchi pendant, on va dire, 150 ans. Et après, on m'a dit, mais tu travailles avec Kassav, alors pourquoi tu ne te demandes pas? Et là, je fais, ah ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, bah, j'en ai parlé, du coup, à l'attaché de presse. On a passé deux ou trois petits coups de fil, deux ou trois petits mails. Et donc là, comme c'est tout ce qui est rédaction, c'est après chacun du groupe en fait a sa partie. Et dès que c'est des rédactions, c'est Jocelyne Béroir qu'il faut voir. Donc du coup, on a été en contact avec Madame Jocelyne Béroir qui m'a dit oui, mais c'est quoi exactement que vous voulez faire là? Parce que encore un Gugus qui dit qu'il veut faire quelque chose. Moi, je fais pas n'importe quoi. Ça parle de quoi? Donc il faut que vous m'envoyiez exactement ce que vous avez fait. Et si ça m'intéresse, dans ce cas-là, je vais à 100% en fait collaborer. Si ça ne m'intéresse pas, je vous le dirai et on passera à autre chose. Donc du coup, je lui ai envoyé les bosses du livre. Et à partir de là, ben, du coup, j'ai eu la réponse directement par le petit mail, l'intégralité de la préface. Et là, ça voulait dire que oui, je confirme, que je suis d'accord. Ça a été montré aux autres personnes également, aux autres membres de Kassav, qui également ont acté et ils ont fait « Ah, ça, c'est un bon début. C'est une bonne pyramide parce qu'on ne l'a pas. » Et qu'effectivement, si on veut effectivement faire que la danse puisse aussi s'exporter autant que la musique, il va falloir finalement l'organiser. Donc, Jocelyne, elle a écrit la préface et du coup, bah, un honneur pour moi de savoir que je peux travailler avec... Ça reste un groupe emblématique et qu'il le restera, même si demain chacun devait fermer les yeux. Bah, grâce à eux, ils ont fait en tout cas un grand pas en tout cas pour cette musique. Ils sont dans l'histoire et en tant qu'antiné, moi je suis très content. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis grand fan de ce groupe, mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que où qu'on aille dans le monde, on a eu pas mal de stéréotypes de notre musique, mais grâce à Kassav, on a pu dire non, ça, c'est notre musique. Et pour le coup, ils ont fait grandement pour la musique, pour notre culture, pour que les gens placent notre nom, le nom de nos îles sur la carte, puisque sur une carte du monde, ce sont des points. Et du coup, voilà, c'est un très, très grand groupe.